côté des Rangers. Mettant en troisième période à 4-0, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu donnes beaucoup plus de temps de jeu à tes jeunes joueurs? Mais là, tu as quelques vétérans là-dedans qui vont dire... Oh là, Pageau à la fin de la période avec ouais. Brandon Lemieux. Oh, oh! Bien poussé, Brandon Lemieux. Alors, Pageau avec Brandon Lemieux après la mise en jeu. Évidemment, Lemieux qui est un agitateur ouais, également. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait à la mise en jeu que Pageau n'a pas apprécié. Alors, est-ce qu'il y aura des pénalités à la fin de cette période? On dit aux joueurs de retourner à leur vestiaire. Maintenant, ils vont? Oui, tout à fait. On va voir ce qui s'est passé. Oh! Ouais, je pense qu'il y aurait pénalité à Pageau pour son coup de poing à l'endroit de Brandon Lemieux. Pas de doute. Alors, on verra tout ça au retour, alors que c'est Dan O'Rourke qui s'en va au pas des chronomètreurs. Est-ce qu'il va y aller de pénalité de chaque côté? Oui. Alors, on verra ça au retour en troisième période. Voici le sommaire de la deuxième en compagnie d'Élisabeth Rancourt.